Nouvelle purge en Corée du Nord. Le vice-premier ministre aurait été exécuté en juillet dernier selon la Corée du Sud. Kim Yong-jin, qui est aussi ministre de l'Éducation en Corée du Nord, a été dénoncé pour sa mauvaise posture lors d'une séance publique. Il se serait assoupi. Deux autres cadres du régime auraient été envoyés en rééducation pour les guérir de leur arrogance. Le vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Kim Yong-jin, a été exécuté et Kim Yong-chol, à la tête du Parti des travailleurs de Corée du Nord, a été envoyé en rééducation. Nous avons aussi découvert que Choi Yui, directeur du département en charge de la propagande et de la lutte contre l'agitation du parti, a également été envoyé en rééducation. Kim Jong-un renforce son règne sans partage. Depuis son arrivée au pouvoir, il aurait fait exécuter ou rétrograder plusieurs hauts responsables.